La mère de DJ Arafat, Tina Glamour, s'est prononcée sur la virée nocturne de Carmen Sama, veuve de son fils, en compagnie des Malou. Tina Glamour, nous continuons de pleurer à Arafat, et tu te permets de te mettre dans la rue, remue tes fesses, la suite juste après le générique. Quelques mois après l'inhumation de DJ Arafat, Carmen Sama a été sévèrement prise à partie par des internautes qui lui reprochaient ses nombreuses apparitions sur les réseaux sociaux. Apparaissant toute heureuse à la une d'un célèbre magazine People Ivoirien, la veuve du P.E. Sama avait été conviée à des événements où elle s'était donnée au travaillement pratique consistant à jeter des billets de banque sur une personne. Des faits qui avaient suscité la colère de plusieurs internautes à cette période. Invitée à l'émission Péoplémique, la mère de DJ Arafat, Tina Glamour avait été très indulgente à l'endroit de sa belle-fille. Moi, je mets cela sur le compte de la jeunesse. Être la femme de Nidje Arafat, c'est du balèze. Donc quelque part, elle devrait prendre conscience de cela, il y a aussi l'entourage qui joue sur elle. Mais il ne faut pas qu'elle prenne de l'argent pour faire des travaillements. Il faut qu'elle comprenne que le fait d'avoir été la femme de Nidje Arafat, tous ses faits et gestes sont suivis. Elle était mariée à un artiste mais elle n'est pas artiste et elle ne connaissent pas ce que c'est le public. Mais cela lui a été imposé par DJ Arafat, qui faisait des vidéos avec elle et elle a pris goût, avait déclaré la Djaja tout en promettant de donner des conseils à Carmen Sama. Devenue aujourd'hui très proche de l'ex-copine de son défunt mari, Emma Carmen Sama a décidé de célébrer sa nouvelle amitié autour de bouteilles de champagne. Des vidéos de toutes ces sorties ont même été diffusées sur la toile, où Carmen Sama est aperçue en train de rouler son postérieur. Tripoté par sa nouvelle partenaire. Une scène qui a choqué de nombreux internautes ainsi que des proches de Nidja tel Khalil Okhod, Olop Katcha et Mark Zobo, l'oncle du déchiquant. Ces derniers ont vigoureusement condamné l'acte de la belle Carmen. La réaction de Tina Glamour était donc attendue et c'est finalement à travers un post sur son compte Instagram qu'elle se dit déçue de sa belle fille Carmen Sama. Dieu connaît la bonté et la beauté de mon cœur. Satan connaît la violence de mon vocabulaire. « Je suis déçu de toi Carmen. Nous, la famille d'Arafat, nous sommes véritablement indignés face à la situation dans laquelle cette jeune fille se retrouve. »« Ton postérieur que tu roules en pleine rue, c'est pourquoi Nous continuons de pleurer Arafat et tu te permets de te mettre dans la rue, remue tes fesses et émaloïter ta pote. J'ai pleuré. Didier est vraiment mort. Il n'aurait jamais accepté cela. Nous, non plus. Nous aurons bientôt une réunion avec toi. » Que tu le veux ou non a écrit le beau Valentine.